comment faire un effet glitch dans une vidéo avec Filmora pour éventuellement une transition ou pas d'ailleurs. Et donc en fait, c'est pas compliqué. Quand on a importé notre fichier audio, on va dans les filtres, on va dans déformation, on va dans chromatique aberration, et là, on va tout simplement glisser le petit effet. Voilà, alors moi j'aime bien quand ça fait sur une transition, donc du coup c'est vraiment très succinct comme effet. Tac, ce qui fait comme ceci. Hop, voilà, et là on change de plan, comme par magie. Et ensuite, ce que je trouve sympa aussi, c'est quand même d'y ajouter un petit son. Donc en fait, on peut aussi faire venir un petit son. Donc le son est ici. On va quand même le décaler un petit peu. Hop. Et là, il faut bien faire gaffe où est-ce qu'on le met. Ah, c'était un petit peu avant. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Hop, un tout petit peu avant. Et là, on est correct. Après, il est un peu long, donc voilà. Et ce son, j'ai tout simplement trouvé sur YouTube. Hein. Après, vous le téléchargez. Si vous ne savez pas comment télécharger un son sur YouTube, vous le dites en commentaire, puis je vous ferai la petite vidéo. Et voilà. Et je vous dis à bientôt.